aujourd'hui en ce jour de fin de challenge Afrique-Caraïbes challenge 100% naturel. Alors, que vous dire tout au long de ce challenge qui a duré 3 mois, qui a donc commencé en septembre jusqu'au 3 décembre. Aujourd'hui, on est le dimanche 3 décembre. Voilà, il fait moins 1 degré à Toulouse. C'est un challenge qui s'est très bien passé au sein de mon charmant univers, l'univers Napu, mon groupe Facebook. C'est un groupe dans lequel je suis entourée de charmantes qui ont vraiment l'esprit du partage, ce qui fait que d'ailleurs je vais faire un gros big up. Je vous aime toutes mes charmantes qui contribuent à animer ce charmant univers. Alors pour en venir au bilan de ce challenge qui j'estime s'est très bien passé, que dire, je vais faire une courte vidéo. C'est un bilan de challenge qui était donc 100% naturel comme je vous le disais dès le départ. J'ai fait ce challenge franchement pour toucher la plupart des personnes qui n'avaient pas accès à certains produits que nous l'on retrouve facilement ici en Europe. Et donc j'ai pensé à faire un challenge qui pouvait servir pour l'Afrique, les Antilles, les Caraïbes. Ça s'est très bien passé. En ce qui me concerne personnellement, j'ai découvert beaucoup de produits, beaucoup d'aliments, beaucoup d'ingrédients qui étaient partagés dans ce charmant univers. J'en ai fait quelques vidéos d'ailleurs que je vous ai partagées. Je me répète peut-être, je ne m'en rends pas compte, mais c'est pour exprimer le plaisir que j'ai eu à faire ce challenge. Tous les soins qu'on a utilisés sont sur ma chaîne YouTube. Tous les week-ends, en général c'est le dimanche que l'on faisait nos soins, on partageait nos soins dans le groupe. C'était une façon de se motiver entre nous. Franchement, je pense que ça a servi pour beaucoup. Les résultats des charmantes dans mon groupe sont éloquents. Elles ont eu de la souplesse, elles ont eu de la pousse, elles ont eu du volume. Elles n'arrêtent pas d'en parler et ça me va vraiment droit au cœur. Ça montre que les échanges ou alors les recettes et tout ce que je partage aide. Ça sert à beaucoup. Pour moi, en ce qui me concerne, on va y arriver. Finalement, j'ai eu du volume. J'ai des cheveux assez fins quand même, il faut le dire. J'ai eu du volume, j'ai eu beaucoup de souplesse. J'ai les boucles qui se sont hyper bien détendues. Ça, franchement, avec le temps, je pense que ça va s'améliorer encore plus. J'ai eu quelques centimètres. Je vais vous faire le lèvre check à la fin. Je n'ai pas mesuré en centimètres. J'ai uniquement fait le lèvre check parce que les centimètres, on se trompe très facilement sur une mèche. J'ai pris des compléments alimentaires. C'est des nouveaux compléments alimentaires. C'est ceux-là. Je les ai pris pendant 2 mois. J'essaierai de vous mettre quelques images des comprimés, comment ils sont. Ils sont quand même assez grands. Donc, je les ai pris pendant 2 mois. Je l'ai acheté sur un site. Je mettrai le lien en barre d'informations pour les personnes qui sont intéressées. Alors, c'est un complément alimentaire qui contient du zinc. Et le zinc contribue au maintien du cheveu. Ce que j'ai constaté par rapport à la prise de ces compléments alimentaires, il a fait pousser des nouveaux petits cheveux en pleine santé sur les bords. Ça, je l'ai remarqué. Et c'est ça qui contribue à m'apporter du volume déjà à la base de mon cheveu. Donc voilà, les résultats sont positifs. La souplesse y est, le volume y est. Il y a de la santé. La santé y est. Il y a eu quelques centimètres en plus. C'est pour ça que je vais vous laisser regarder mon live check. J'ai fait quelques vidéos entre temps qui viendront un peu plus tard pour me permettre de m'occuper tranquillement de mes cheveux sans avoir à y toucher très souvent parce qu'on en a quand même fait toutes les semaines durant ces 3 mois. Toutes les semaines, on lavait nos cheveux. Donc, je vous ferai une autre vidéo après celle-ci. Je ferai les 2 vidéos au même jour pour vous parler de la routine que je vais adopter pour l'hiver. Le prochain challenge, je ne l'annonce pas maintenant, ce sera de toute façon en 2018. Il faut compter au moins 6 mois, il faut laisser nos cheveux tranquilles pendant un moment. Entre temps, dans mon groupe l'univers Napu, on fera des challenges personnels que l'on partagera sur le groupe. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire votre demande d'adhésion sur le groupe l'univers Napu, mon charmant univers Napu. Bien, maintenant, assez parlé, je pense que je vais passer au live check, vous l'attendez certainement.